pour le quatrième combat. Quatrième combat donc pour une ceinture boxe Tomorrow European Belt, Italie vs Ukraine en 5 rangs de 3 minutes. La première boxeuse qui va venir nous rejoindre sur le ring représentera donc les couleurs de l'Italie. Je vous demande d'accueillir et d'encourager comme il se doit mademoiselle Patricia Cumuli. Elle mesure 1m67, est âgée de 36 ans. Elle a 45 combats à son actif, 27 victoires, 2 KO, 3 nuls, 15 défaites. Elle a été championne d'Italie Waco Pro, championne d'Italie 2012 et 2014, championne d'Italie WMC 2010, médaille bronze IFMA Europe 2009. Mademoiselle Patricia Cumuli. Mademoiselle Patricia Cumuli pour l'Italie, pour cette ceinture Box Tomorrow European Belt, elle sera opposée à l'Ukrainienne boxeuse Coin Bleu, pensionnaire du club Union Gym. Je vous demande d'accueillir mademoiselle objet de combat, Lena. Lena, donc Coin Bleu, Ukraine, du club Union Gym, coach et entraîneur Victor Lazurko, 53,8 kg, donc pour mademoiselle Lena Ojinikova, 1m67, 27 ans. Elle a 49 combats sur l'actif, 27 victoires, 15 KO, 7 nuls, 14 défaites. Elle a été 10 fois championne du monde. Thank you.
Rencontre internationale, donc Italie, Ukraine, point rouge, Patricia Ghibelli, Thunder Gym, Italie, face à elle, donc l'Ukrainienne Ovginikova, Lena du club Union Gym, pour une ceinture bottom to boy, European Belt, combat féminin sur cette cinquième édition Lion Belt. Voilà donc vérification du matériel donc faite par notre officiel donc de la FFP. Patricia Ghibelli donc 45 combats, 27 victoires, 2 KO, 3 nuls, 15 défaites. Ovginikova Lena, 49 combats, 27 victoires, 15 KO, 7 nuls, 14 défaites. D'accord, au centre, s'il vous plaît, soigneur hors du ring. Soigneur hors du ring, s'il vous plaît, d'accord, au centre. Patricia Ghibelli, donc, coin rouge, Italie. Ovginikova, Lena, coin bleu, Ukraine. Combat féminin sur cette cinquième édition de l'Iron Belt. Juge 1, juge 2, juge 3, superviseur, chrono, médecin. Début de la première reprise. Un paio sono entrati bene.
E lei sempre che cazzo. Ok, i pugni li devi mettere, ma devi chiudere di gamba. Quando ti è addosso, non star lì a farti chiudere. Appena ti è addosso, metti il ginocchio, giri, spari il gomito. Ok, fatti, ci sei? Devi lavorare in maniera continuativa. Stai lavorando bene, alla prima ripresa va bene così. Solo che quello che mi scoccia è che hai preso dei colpi inutili che non avresti preso. Adesso la prima ti sei sciolta un po', ti sei sgranchita un po'. Ok? Come te le senti le gambe? Ti piace un po', subito la prima blocco. Ho visto, ma non è niente. Tanto la usi come usi anche l'altra. Perché te stasera vai a casa zoppa. Basta che tu questo match ti fai il buco del culo. Non aspettare, quando lei arriva, non star lì fissa, esci. Quando mette questo, esci e spari. Tanto lei è così. Glielo metti qua, metti dai kick, metti quello che vuoi. Ok. Soigneur, en direction de Nakoué au centre. Soigneur, en direction s'il vous plaît, Nakoué au centre. Début de la deuxième reprise. I lost that music.
toi. Hein? Merci. Все хорошо. Раз, два, только заканчивай. Она уже... Ей уже тяжело на руки, она же много выпускала. Поняла? Не влетай в нее на канатах. Раз, два и колено, понял? Не влетай в нее. Стараюсь. Пожалуйста. Ты отдыхиваешься нормально своими руками. Ручки струси хорошенько. Пробуй сзади в разрез боковой и заканчивай ногой или колено. Все шеи, локти. Слышишь, что он? Задняя рука. Передняя рука и передняя рука. Soigneur, ordre, s'il vous plaît, la poêle au centre. Soigneur, ordre, s'il vous plaît, la poêle au centre. Début de la troisième reprise. Stai attenta a questa sua mano, a questa. Ok, devi stare attenta a questa. Quindi tu esci, esci, incroci, metti il destro e la gamba sinistra e te ne frega. E quando arriva ginocchio giù, senti si piomba addosso. Guarda cosa devi fare. Fammi vedere. Eh? Fammi vedere. Infatti se vai avanti combatte le croci, non lo vinci tu. Perché stai facendo quello che lei voleva fare. Infatti fare. Quel cambio guardia lì con quel destro, stai in linea e metti i colpi in linea, batti in linea,
hai presente 1-2, una combinazione nel sacco? Quello, lei è un sacco. Appena lei sta lì che fa questo, tu parti, fai uno scatto in avanti a bomba e gli spari due pugni in faccia, gli devi far cagare addosso. Quando ha la testa così gli spari il gomito, l'apri in due e andiamo a casa. Ok, parti. Début de la quatrième reprise. Ok, la metti giù o con un pugno, là, o con un pugno. Destro, tu appena tocchi, spari, destro, passo, gamba sinistra, e gomito. Infatti non ci sono soluzioni, o se no ti metti dentro, l'attacchi e cominci a attaccarlo di pugni, ma tieni giù con la testa lì. Ok? È l'unica maniera, non hai altra soluzione. Soluzione adesso. Et je vais vous demander donc de les encourager pour cette cinquième et dernière reprise.
deuxième et dernière reprise. J'aimerais qu'on applaudisse très fort donc Patricia Ghibelli pour l'Italie et Léo Vigiginova, Léna pour l'Ukraine, ceinture Box to Boy. Et je vais demander au responsable donc Box to Boy, monsieur Hadj, de bien vouloir nous rejoindre. Le responsable donc de Box to Boy, monsieur Hadj, et le président de la Fédération française des sports travaillistes, monsieur Mojesic, pour la remise des récompenses. Voilà donc monsieur Hadj, le responsable de Box to Boy. Je vais demander donc au président de la Fédération française des sports travaillistes, monsieur Mojesic, de bien vouloir nous rejoindre sur le ring pour la remise des récompenses. Voilà donc le président de la Fédération française donc des sports travaillistes, monsieur Mojesic. Voilà qui nous permet d'organiser cette magnifique soirée Lion Belt 5e édition ici à Belfort, rencontre internationale donc Italie-Ukraine. Et donc déclaré vainqueur de ce combat féminin de cette 5e édition de l'Iron Belt, rencontre Italie-Ukraine, et donc déclaré vainqueur la boxeuse coin bleu, mademoiselle Ujinikova Luna. Voilà donc la remise de récompense qui va être faite par le responsable donc Box to Boy, monsieur Hadj, en présence donc du président de la Fédération française des sports travailliste, monsieur Mojesic, qui nous fait l'honneur d'être présent sur cette 5e édition de ce Lion Belt. Voilà donc en présence donc des responsables de Box to Boy et du président donc de la Fédération française des sports travaillistes. Voilà donc monsieur Mojesic, monsieur Hadj pour le responsable donc Box to Boy et monsieur Mojesic pour la Fédération française des sports travaillistes. Voilà donc victoire de mademoiselle Ujinikova Léna Ukraine du club Union Gym, qui remporte donc cette ceinture Box to Boy face à Patricia Ghibelli, Italie.